Les statistiques de 2022 des violences basées sur le genre sont rendues publiques en Côte d'Ivoire. L'axe Yopougon-Dabou est un calvaire pour la population. Des détails dans cette édition. Et puis Kone Brahman remplace Adou Richard à la tête du tribunal de première instance d'Abidjan. Voici pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Chaque jour, au moins 3 enfants sont pris en charge pour situation de viol en Côte d'Ivoire. 4224 cas de violences faites aux femmes ont été enregistrés en 2022. Ces données ont été rendues publiques le mercredi 26 juillet par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant au cours d'une cérémonie. Les statistiques, les annuaires statistiques ont produit les données sur une année donnée, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Et pour cette année, nous présentons les données de l'année dernière, c'est-à-dire du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Et puis sur la période, nous avons enregistré 7919 cas de violences basées sur le genre. Ce sont des viols, les agressions sexuelles, les mutilations génitales féminines que nous appelons communément les excisions chez les filles. Ce sont les drogues, les dénis de ressources et d'opportunités de service, ce sont les agressions physiques. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est vraiment, il faut que la population comprenne, les populations et nos autorités locales, les chefs traditionnels, il faut que tout le monde comprenne qu'il est important de dénoncer les cas de violences basées sur le genre. Quand quelqu'un commet un cas de viol ou bien d'agression sexuelle sur une fille ou bien sur un jeune garçon, il est important de dénoncer le cas. Les données présentées ont mis en évidence certaines avancées significatives dans certains domaines, comme la baisse du taux de mortalité infantile et la hausse du taux de scolarisation des filles. Le document relatif à la situation de la femme en Côte d'Ivoire a été présenté. Il est basé sur une enquête menée en 2022 pour fournir des données détaillées sur les conditions de vie des femmes en matière de santé, d'éducation, d'emploi, de violence, d'acquisition de terres, de participation politique et de leadership. Cette cérémonie de diffusion de nos données statistiques est un moment important qui marque l'action de notre ministère dans la mise en œuvre de l'engagement du gouvernement. En effet, les statistiques que nous présentons aujourd'hui constituent le résultat des efforts conjugués de tous les acteurs. Et nous félicitons effectivement le ministère à cette occasion afin que ces données puissent guider la planification et la budgétisation des activités. UNICEF et nos partenaires et agenceurs, notamment UNFPA et une femme présente autour de la table, sont disposés à accompagner toute initiative allant dans le sens de la production des données en temps réel et fiable. Les résultats de cette enquête ont révélé que les femmes en Côte d'Ivoire continuent de faire face à de nombreux défis. La volonté du gouvernement ivoirien est d'améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants dans le pays. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire, à travers sa fondation, compte apporter un mieux-être aux populations. Preuve à l'appui, elle a procédé à la remise des clés d'un bâtiment R+2 réhabilité au lycée moderne de Grand Bassam, la construction d'un préau de production d'attiéké au profit des femmes d'Akwedo. Quant à l'orphelinat Les Anges d'Adiaké, ils reçoivent les clés de leur nouvelle crèche qui devrait améliorer les conditions de vie de leurs pensionnaires. Chaque remise de dons est pour nous une source de satisfaction, car elle démontre que la Lunacy et la Fondation Lunacy continuent de contribuer aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire à l'amélioration du bien-être de la population. Une initiative saluée par les bénéficiaires. En son temps, les enfants partaient à l'école hors de la pouponnière. De nos jours, la crèche sera au sein et à un pas, les enfants seront à l'école. Ça va faciliter le trajet, le transport et même la manière de les encadrer. Avant ce don, la Fondation Lunacy avait renforcé le plateau technique du centre de santé de Kimbirila Nord en l'équipant en matériel médical de pointe pour un coût global de plus de 22 millions de francs CFA. De la poussière, du matériel, des routes inachevées, des travaux routiers qui durent maintenant 2 ans. Les embouteillages sont un véritable casse-tête pour les habitants de la commune de Yopougon. Ils nous font croire que c'est le travail, mais on voit que c'est lent, parce qu'il y a longtemps que ce projet est là. Et jusque-là, ça ne finit pas. Et ça nous met vraiment dans la merde. Depuis le démarrage des travaux, les habitants rencontrent des difficultés à se déplacer sur l'axe Yopougon-Dabou. Quand il pleut, le pont se casse. À chaque fois, ça se casse. On est obligé de marcher dans l'eau pour passer au travail. C'est pas normal. La route là. Ces travaux de bitumage ont démarré en 2021 et sont toujours en cours.
Le successeur de procureur Adou Richard est enfin connu. Depuis le mercredi 26 juillet, le magistrat Kone Brahman Oumar est le tout nouveau procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Il était jusqu'à la date de sa nomination le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier. Le magistrat hors hiérarchie Kone Brahman Oumar, groupe B, officiera désormais en qualité de procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.